Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenomenfly, bienvenue pour un nouvel épisode sur F1 2021 pour la carrière de notre héros Clément D'Artagnan avec la John Deere Racing. Oh yeah! Alors les amis, aujourd'hui au programme, comme vous pouvez le voir, déjà il y aura le Grand Prix de Silverstone, mais il y aura aussi le Grand Prix de Spa-Francorchamps, autant dire que aujourd'hui on va s'attaquer à deux Grands Prix épiques. Alors aussi, on va regarder à certaines petites choses, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai 21 millions, 21,43 millions exactement d'argent. Et au niveau point de ressources, je suis plutôt pas mal, donc autant dire que pour le moment, l'écurie se porte très très bien. Alors justement, je voulais vous en parler. Alors comme vous pouvez le voir, niveau de performance, il y a certains endroits, comme je l'ai montré dans l'épisode précédent, mais bon, je ne vais pas tout vous remontrer ici. Mais si vous voulez savoir de quoi je vais parler maintenant, n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent pour voir ce que je vais aborder ici. Mais sachez que, comme vous pouvez le voir, on est pas mal placé au niveau du plateau. On est devant Alfa Romeo, AC Williams. Mais sachez qu'à d'autres endroits, on est carrément la meilleure voiture du plateau. Par exemple, chaîne motrice, on est la meilleure. Longévité, on est pas mal non plus. Châssis, on est à la moitié. On est dans le ventre mou des autres monoplaces. Et pour l'aérodynamique, on est plutôt bien passé. Je crois qu'on est quatrième, si mes souvenirs sont bons. Je vais regarder tout de suite. Alors, je vais regarder, admettons, je prendrai une pièce lambda, on va dire, c'est... Attendez, je vais essayer de mettre une pièce lambda que je n'ai pas encore. C'est-à-dire que j'ai tout débloqué. Enfin, voilà. Donc là, aérodynamique, on serait... on serait juste devant Williams. Donc, il y en a, entre-temps, qui ont progressé. Donc, ça a même changé un petit peu par rapport à l'épisode précédent. Mais à mon avis, de pas grand-chose. Je vais vérifier. Alors, chaîne motrice, est-ce que là, ça a bougé aussi? Donc là, on est toujours la meilleure voiture du plateau. Ça change. Ok, longévité, si on va voir, on est là, c'est ici, on est quatrième meilleure voiture du plateau au niveau longévité, donc autant dire qu'on a une voiture très correcte et même super puissante en ce qui concerne les lignes droites, donc j'en suis plutôt content de voir notre évolution. Alors ce n'est pas tout aujourd'hui les amis, je voulais vous parler aussi d'autres choses. Alors on va aller déjà dans véhicule là, il va falloir que je change après le Grand Prix de Spa-Francorchamps et passer aux deux, ça c'est déjà sûr. Mais je pense même que je vais faire celui-là d'abord et après je sais que je vais devoir changer même le turbo compresseur. Donc je vais commencer par celui-là et puis celui-ci, mais je vous en faites pas, je n'ai pas oublié. Alors aussi les amis, au niveau, alors je vais vite fait, voilà c'est bon. Au niveau du contrat des pilotes, alors comme vous savez pour moi je suis avec Fernando Alonso. Bon pour le moment il n'est pas non plus folichon, il ne nous rapporte pas beaucoup de points. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est sa manière de conduire qui n'est pas adaptée à la voiture ou est-ce qu'il doit progresser, je ne sais pas. Mais pour le moment, on n'a pas de points d'écurie et on va le voir tout de suite. De toute façon, au classement, vous savez, je suis pour le moment en tête du championnat des pilotes. Tête que j'ai reprise après le Grand Prix d'Autriche grâce à ma victoire. Et au niveau classement des constructeurs, pour le moment, il n'y a que moi qui rapporte des points. Donc pour moi, on est toujours troisième. Donc ici, je commence à me poser certaines questions. Est-ce que je n'économiserai pas pour aller chercher un meilleur pilote? Et à ce moment-là, moi, je vous le dis clairement, j'aimerais bien soit aller chercher, et je vous le dis, je vais viser gros, soit je me prends à Valtteri Bottas, mais je sais que je vais devoir casser ma tirelire, parce que 15 millions sur le marché, rachat 5 millions, donc il y a peut-être moyen. Donc avec le salaire, si on fait une bonne saison, ça pourrait le faire aussi. Lewis Hamilton, ça me semble un peu trop gros, mais voilà. Mais en tout cas, sachez que j'ai de grosses ambitions. Au pire, il y a Max Verstappen aussi, enfin au pire, c'est un très bon pilote. Ou alors j'avais pensé aussi à Lando Norris. Donc ici, j'ai eu envie de recruter un de ces pilotes-ci. Donc maintenant, à moi de voir. Est-ce que je recrute Lando Norris, Ricardo, Verstappen, Valtteri Bottas ou Hamilton. Mais en tout cas, sachez que ce sera parmi eux. Ça, c'est déjà sûr et certain. Ça sera parmi eux à coup sûr. Donc je ne sais pas encore lequel je vais recruter, si je viens à recruter. Ou alors j'attends encore une saison de plus avant de me décider. Mais sachez que j'ai déjà un petit peu regardé.
En plus, il y a un truc que je comprends pas, mais ça, j'espère qu'il y aura des personnes qui me l'expliqueront dans les commentaires de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. C'est que voilà, je vois que Lewis Hamilton, il est rang 95. Et par contre, mon pilote, Fernando Alonso, lui, il est rang 97. Donc, j'aimerais savoir un petit peu, bah, qu'est-ce qui change en fait. Parce que normalement, Fernando Alonso, avec les points qu'il a ici, il devrait être monstrueux. Donc, ça que je ne comprends pas trop. Le pourquoi du comment. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais comparer. Admettons, on va prendre Lewis Hamilton. On va faire comparer, voilà. Alors, quand on regarde. Ouais, il est meilleur que... Il est meilleur que Lewis Hamilton sur certains points, hein, donc je sais pas. Je sais pas ce qui fait la différence. Ah, quoique, réaction, non. Réaction... Ah bah si, réaction, ah ouais. Donc Fernando Alonso normalement devrait être plus fort que ce qu'il est maintenant. Donc je sais pas, si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je suis prenant parce que du coup bah là je me pose encore plus de questions. Bref, c'était un petit peu pour vous montrer aussi que je me pose aussi certaines questions par rapport à Fernando Alonso. Maintenant comme je l'ai dit, je vais peut-être lui laisser encore une saison, voir ce qu'il va faire. Mais si je vois qu'il n'y a rien, clairement, à un moment donné, bah, je vais changer de coéquipier, ça c'est sûr. Donc, je vais voir, je vais lui donner encore peut-être une saison. Maintenant, si je vois que ça n'avance à rien, bah, à ce moment-là, je changerai. Et je vous ai dit, je vais viser dans le haut du panier pour être sûr certain d'avoir quelque chose de compétitif. Parce que bon, champion du monde, c'est fait. Maintenant, il faudrait qu'on soit champion et constructeur. Et à ce moment-là, bah, il faut absolument faire briller la marque John Deere. Et ça passe par tout simplement mon coéquipier. Parce que bon, moi, je marque souvent des points, pour pas dire tout le temps. Mais il faut aussi que mon coéquipier suive le rythme. Bref, c'était la petite parenthèse. Enfin, petite, grosse quand même. Je pense que j'ai assez parlé. Dans tous les cas, les amis, maintenant que c'est fait, que je vous ai un petit peu présenté tout ça et remis en contexte toutes mes idées et autres, n'hésitez pas, avant que la vidéo ne commence, bien évidemment, de laisser un petit like, c'est toujours important, pour montrer que vous kiffez la série, la vidéo, et puis c'est toujours motivant. Et puis, si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper, que ce soit n'importe quel contenu sur ma chaîne, que ce soit gaming, urbex, théorie, court-métrage et autres déconnades. Et puis ça me soutient énormément dans ma passion, donc si vous faites ça, un énorme merci, et puis vous êtes aussi autant gagnant que moi parce que vous pouvez bénéficier de chouettes vidéos. Bref, l'instant pub est passé, du coup maintenant je vais passer au week-end de course, faire les essais libres de mon côté, et je vous prends directement pour les qualifs. A tout de suite. Et ben voilà les amis, nous voilà au qualif sur le Grand Prix du Royaume-Uni Silverstone. Or on est là, on est chaud, et j'ai bien intention de gagner, parce que bon, la saison dernière, à cause d'un énorme problème et certains soucis, on avait écopé d'une pénalité, et on avait démarré en fond de grille. Mais ici, je compte bien ne pas faire la même erreur, de toute façon, on ne fera pas la même erreur, puisque cette fois-ci, je n'ai rien changé, et je compte bien gagner cette fois, parce que la dernière fois, la saison dernière, j'ai terminé deuxième, ici, je compte bien, cette fois-ci, remporter ce Grand Prix. Et puis, je suis dans une bonne dynamique, puisque j'ai remporté le Grand Prix d'Autriche pour la première fois, donc je me dis, c'est peut-être le jour pour remporter aussi le Grand Prix de Silverstone pour la première fois. Allez, on tarde pas, c'est parti, let's go. Silverstone, nous voilà, Banzai. La John Deere s'élance, c'est parti. Il faut pas non plus aller trop vite, parce que ça c'est mon pire ennemi. Voilà. Et on relance. Allez, faut faire ça comme il faut. Alors je vois que j'ai encore Lewis Hamilton aux fesses. C'est-à-dire que lui, il ne prend jamais de repos. Voilà, tout en souplesse. On a perdu un peu de temps, mais bon, ça va le faire. Je pense que ça va le faire, parce qu'on a une voiture très rapide en ligne droite. Fou, elle a failli partir. Par contre, ça, il faut quand même faire gaffe. Hein. Voilà, on descend un petit peu. Pas mal. Ok, pour le moment, on est good. Meilleur deuxième secteur, ça, c'est pas mal. C'est même très très bien. Et voilà, on relance tout en douceur. Et voilà, je crois que c'est la pole position, les amis. Magnifique. Et bien, on va partir en pole.
Eh ouais, je suis en pôle. Magnifique. La course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. D'Artagnan, Bottas et Lewis Hamilton. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Oh yeah, on est en pole, ça fait plaisir, juste devant Valtteri Bottas finalement, ce sera pas Lewis Hamilton. Bon alors par contre, j'aimerais voir aussi où est notre Fernando. Ah bah il est 16ème, bon, comme d'habitude j'aimerais dire. Il va falloir qu'il se réveille à un moment donné. Bon, et bah les amis du coup... Je fais la coupure comme vous le savez bien et puis on se retrouve directement bah, pour le Grand Prix de Silverstone, hein. On est là pour ça. Allez, à tout de suite. Nous voici de retour à Silverstone, berceau du sport automobile britannique et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Ces jours de course, voici venu l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne. Long de 5,8 km, le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne est vénéré par les passionnés de Formule 1. Cette ancienne base aérienne datant de la Seconde Guerre mondiale compte 18 virages avec des possibilités de dépassement en fin de zone de DRS. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. D'Artagnan part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Verstappen, Sergio Perez et Norris, Sainz, Leclerc, Ricciardo et Pierre Gasly, Russell, Tsunoda, Antonio Giovinazzi et Stroll, Ocon, Fernando Alonso, Nicolas Latifi et Guan Yu Zhou. Mazepin, Daruvala, Schwartzmann, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Mick Schumacher, lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. Tout à fait, mon cher Jeff. Bon, eh ben ici... J'ai hâte de prendre le départ, mais avant, je vais regarder un petit peu ma stratégie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Donc, 13 tours, un arrêt au 7ème tour, ok. 13 tours, 7ème. Moi, je mettrais plus tôt. Moi, je mettrais beaucoup plus tôt si j'ai moyen de modifier. Donc, tour d'arrêt, moi, je mets le 6ème. Pneu relais, bah, ce sera des temps, de toute façon. Alors, 13 tours. Donc, 6ème ou même 5ème tour. Donc là, on va voir ce que ça pourrait donner. Ça pourrait donner quoi donc? Ok, piloter sans prendre de risque pour augmenter la durée de vie de vos gommes. Zéro nombre d'arrêts au stand. On va plutôt prendre celle-là. Et on va mettre. On va prendre plutôt celle-là. Voilà. Le tendre en relais, ok. Là, j'aurais bien voulu mettre le médium, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ok, on est good. Réglage carburant, on est pas mal. Bon, bah, je crois qu'on est good. Hein. De toute façon, à nous de gérer. Allez, c'est parti, let's go. Allez, faut bien gérer. Ici, je suis venu pour gagner ma première fois à Silverstone. Allez, c'est parti. Cette fois, nous ne serons pas en queue de peloton. Nous serons devant à Silverstone et je compte bien gagner. Le moteur à combustion interne affiche un niveau d'usure inquiétant. Il va falloir rouler à bas régime. Anticipe des montées en puissance et rétrograde plus tard. Ça va, bon, on va essayer de faire gaffe. Parce qu'effectivement, j'ai été voir pendant la coupure au moteur. Effectivement, il faut absolument que je change, même avant de commencer Spa-Francorchamps. Hein, quitte à avoir une pénalité, je pense qu'il va falloir de toute façon y regarder. Ça, c'est sûr. Donc, quoi qu'il arrive, pour Spa-Francorchamps, on ira changer ça. Et pour le moment, on est pas mal. On est en tête. Il n'y a pas de souci à se faire pour le moment. Et on voit qu'on a Bottas, Hamilton et Verstappen, comme d'habitude, à notre trousse avec Hamilton. Parce qu'Hamilton, bon, il veut gagner aussi, hein, c'est chez lui quand même.
Donc ici, il va falloir faire quand même très attention. Et pour le moment, on est pas mal. Hein. On prend une bonne trajectoire, on est au top. Alors j'espère que Fernando Alonso va faire aussi une bonne course et rentrer dans les points surtout. Allez, let's go. On lance pas mal. Pour le moment, on est au top. Allez, on lâche pas. Et pour le moment, on pilote pas mal. C'est très propre. Pour le moment, pas de soucis. Allez, on y va. On continue. Et hop, on boucle le premier tour. Et c'est le meilleur tour en plus. Allez, let's go. On lâche pas. Je laisse ça un petit peu parce que je sentais déjà me déporter. Bon là, c'était bof bof, mais bon ça va, ça passe. Ah les pneus ça va. Et ici ouais il va falloir que je fasse gaffe. Hein. Moteur à turbo compresseur. En compresseur interne, c'est pas fameux. Hein. Enfin vraiment je change ça pour ce pas encore chant. Sinon je crois qu'on va avoir des soucis. Le niveau d'usure du système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il faut mieux rouler à bas régime. Bah MGUH ça va. Et surtout le moteur à combustion interne hein, qui pose problème. MGUH on a encore le temps de voir venir, j'aimerais dire. Pour le moment on tient le bon bout. Allez, on lâche pas. On constate une perte de puissance du turbocompresseur. Perte de puissance pour le turbocompresseur. Ok. Oui, donc ça devient vraiment urgent. S'il le dit plusieurs fois, c'est sûr que pour Spa, il va falloir changer ça. Ça, je le ferai en caméra. De toute façon, les amis, vous savez bien, c'est juste qu'il faudra passer au niveau 2 et puis c'est tout. Enfin, quand je parle de niveau, c'est-à-dire au niveau 2 hein, du turbocompresseur. Bref, il va falloir le changer. Vous avez compris. Mais bon, ici, pour moi, ça va. On a bien géré. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Dur ? Non, pas des gommes dures. Pourquoi tu veux que je chausse des durs ? Pourquoi il veut que je chausse des durs ? C'est pas ça que j'ai demandé. Des gommes dures ? Non, 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 non. Voilà, des médiums. Voilà. Des gommes dures. Pourquoi tu voudrais que je chose des gommes dures? Ça va pas ou quoi? Tu veux me faire perdre, Jeff? Non, 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 des médiums, c'est fou, toi. Des gommes dures, quoi. Ça dure plus longtemps, oui, mais par contre, t'es plus lent. J'ai pas envie de perdre de la vitesse, là. J'ai que 4 secondes devant eux. Non, 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 non. C'est pas une bonne idée. La pluie est à prévoir dans une dizaine de minutes. Pluie dans 10 minutes. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Ah là par contre ça c'est important, la pluie va arriver dans 10 minutes. Ok, bon, attends. Je vais me mettre dans une ligne droite si tu veux bien. Alors. Hop, voilà. Alors, confirmé, médium. Confirmé. Cours 7. Oh, oui, ok, allez, on prend le tour 7, allez, soyons fous. Sauf si je change d'avis, je le rechangerai encore. Hein. Mais sinon, au tour 7, je devrais rentrer alors. Maintenant, si la pluie est à prévoir, est-ce que je mettrai pas les intermédiaires dans un sens? En 10 minutes. Ouais, on va rouler le plus possible avec nos gommes ici. Et après, à voir si je dois mettre des intermédiaires, je mettrai les intermédiaires. Voici l'écart avec notre coéquipier. 21,0 secondes. Pour le moment, on va rester avec les softs, pour le moment, tant que ça tient. Mais je prévois, si la pluie arrive dans 10 minutes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fin de course, je vais l'avoir de toute façon. Mon avis, déjà avant le 7ème tour. Donc à ce moment-là, je rechangerai et je mettrai les intermédiaires à ce moment-là. Pour garder de la vitesse. Autant en profiter, hein, dans un sens. Bon, ça durera moins longtemps, vous allez me dire, les intermédiaires, mais vu le nombre de tours qu'il me restera à faire à ce moment-là, je pense que ça peut être très avantageux. Parce que si on passe avec des pneus hauts, bah, ils durent plus longtemps, mais par contre, la vitesse sera moins forte. Donc, je sais pas, on va voir. Pour moi, on va gérer comme on peut la course ici pour le moment, et puis je ferai en fonction d'eux, mais faut rester vigilant, cette course promet être épique, ça c'est sûr.
Déjà, la saison dernière, rappelez-vous, elle avait été épique hein, quand j'avais commencé à remonter tout le monde, que je termine deuxième. Un peu plus, je suis même à deux doigts de gagner, donc tout peut se jouer ici. Ok, bon, on va vérifier. Alors, l'usure, c'est good. Turbo compresseur. Ah, mais il est vraiment à genoux là. Il va falloir vraiment changer avant de faire le Grand Prix de Spa-Francorchamps, ça c'est sûr. L'écart avec la voiture de derrière est de 8,2 secondes. Ah, let's go, on lâche pas. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Ok, bon, on chaussera des médiums. Maintenant, à voir hein, si jamais il faut changer de stratégie, il n'y a pas de souci. On va essayer encore de creuser. Hein. Je pense que c'est le mieux à faire. On va garder en visu. Alors, l'hydratation des pneus, ça a l'air d'aller. Je pense que ça va le faire. Bon, c'est bien pris ça. Allez, hop. Et là, on a 10 secondes devant Bottas, c'est quand même quelque chose. Pour le moment, la voiture a l'air de tenir, donc pour le moment, on va rester comme on est. On est pas mal du tout. Pour le moment, on mène la course très à l'aise, sans souci. Maintenant, elle est tout de voir sur le long terme, avec le turbo compresseur qui est à genoux. Il va falloir faire gaffe. Et on sait que de toute façon il va falloir changer parce qu'après ça sera le MGUH qu'il va falloir regarder. Allez, let's go. Pour le moment ça tient, pas de soucis. On va continuer. Hop là. Ok, on essaie encore de creuser un petit peu. Quoique je rentrerai bien à ce tour hein, en fait. Je rentre. Okay, tu peux rentrer dans ce tour. On va rentrer ce tour-ci. On va rentrer un tour plus tôt. Je crois que c'est le mieux à faire. Là, on a un bon écart. On va en profiter. Profiter tant qu'on avance. Ah, Charles Leclerc hors course, ok. Décidément, c'est pas sa saison à lui. Hein. C'est pas la première fois qu'il est hors course. Ouais, autant profiter, j'ai 16 secondes. On va en profiter. Et on arrive tout près des stands. Ils vont être à notre droite dans maintenant, je crois. Voilà, ils sont là. Allez, let's go. Change-moi ça. Donc là, on va chausser des médiums, c'est bien ça? Exact, des médiums. Allez, let's go. Espérons que la pluie n'arrive pas non plus à un mauvais moment, sinon je vais pouvoir repasser au stand et ça risque d'être embêtant. Allez, changez-moi ça. Alors là, évidemment, Bottas va passer devant, mais bon, faut pas s'en faire. Ils voulaient peut-être passer devant, mais ils sont pas encore passés au stand. Et ils vont devoir passer en donné, de toute façon. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Bon, bah, on ressort cinquième, c'est pas mal du tout. Bon, on a Perez devant. J'espère que je vais pouvoir le passer quand même. Parce que s'il me ralentit, ça va être embêtant. Parce que je vois quand même que ils ont pris de l'avance devant. Oh, le passe au extérieur. Oh oui, magnifique. Hop. Là. Merci. Hop. Perez, c'est fait. On est quatrième. Allez.
Allez, faut essayer de revenir sur Verstappen minimum. Et je les vois, ils sont là devant. Donc ils sont pas si loin que ça. On a 4 secondes derrière. Ah bah les voilà. On les a rattrapés. Maintenant, faudrait les dépasser. Bon, ils ne rentrent toujours pas au stand. Sûrement au tour d'après qu'ils vont rentrer alors. Ils vont sûrement rentrer au tour d'après. Ah, quelqu'un est rentré au stand. Ah bah c'est Verstappen. Par contre, j'ai failli sortir de route. Ça a failli être catastrophe. Notre retard sur la voiture de devant est de 4,1 secondes. Notre avance sur la voiture de derrière est de 2,6 secondes. Merci pour les infos. On va attaquer un maximum. Je vois Hamilton, il est devant. Allez, on lâche pas. On est pas mal, on est juste derrière. Et on doit plus passer au stand, donc ça c'est parfait. Par contre, je vois que le temps est en train de changer. J'espère qu'il va pas pleuvoir, parce que s'il pleut, là on aura fait une petite erreur. À ce moment-là, il faudra mettre des pneus pluie. Hein. Oh, la voiture! Qu'est-ce que c'était quoi ça? Oh là là! C'est pas ce que c'était! Ça m'a fait peur! Waouh! Elle s'est envolée d'un coup, c'était quoi ce truc? C'est la première fois que je vois ça. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'ai vu la course défiler là. Oh non, ça aurait été affreux. Oh, la voiture a failli s'envoler. Ah bah parfait, Hamilton passe au stand. Contrairement à Bottas qui a l'air de vouloir continuer. A voir, est-ce que Hamilton ne serait pas en train justement de chausser des pneus pluie par hasard? Ce serait pas étonnant. Et on le voit, Bottas, il est là. Allez, on le lâche pas. On peut aller le chercher. Ah bah voilà. Fernando fait un arrêt au stand. Ok, j'espère que bon, qu'il a chaussé des bons pneus, pas des durs. Allez, Bottas, il est là. On peut aller le chercher. On a la voiture la plus puissante au niveau chaîne motrice, donc on peut largement le passer à l'extérieur ou intérieur. Ça va être chaud. On va le dépasser au bon moment. Pour le moment, on lui met la pression. Je suis là, Valtteri, je suis là, ton plus grand rival. Il passe pas au stand. Hein. Mini collision. Allez, sur l'intérieur. Et voilà, ça c'est fait. Ça, l'aileron il n'a rien. Parfait. Bon, on est devant. Il y a beaucoup qui s'arrêtent au stand pour le moment, d'après ce que je vois. Allez, il nous reste 3 tours à boucler. On lâche pas. Et il nous colle bien quand même, Valtteri Bottas. À mon avis, il prend des risques. Parce qu'à un moment donné, il va de toute façon devoir passer. Il n'a pas changé de ses gommes, donc... Il va devoir à un moment donné passer. Il reste à peu près 5 tours de carburant. Ça va, parfait. Allez, let's go. On lâche pas. Voilà, on commence à lui mettre une distance, ça y est. On est pas mal. On est au top. On a annoncé de la pluie, les premières gouttes ne devraient pas tarder. Ouh, ok. Bon, bah, il va falloir faire gaffe. Ah ouais. Effectivement, je viens de voir
Des petites gouttes qui commencent à tomber. Il va falloir faire attention. Et Valtteri ne rentre toujours pas au stand, c'est incroyable. Ah si, il est rentré. Ok, bon bah il faut essayer de le distancer maintenant. Ah ouais, la pluie est là. Bon, j'aurais dû mettre des intermédiaires, je le savais. Les intermédiaires de pluie, je le savais. Ça va être compliqué hein, avec des médiums comme ça. Il va falloir faire avec. Ou alors je prends le risque de distancer, je rentre au stand ici. Mes pneus, c'est comment? Ouais, ils sont pas abîmés. Ça pourrait me faire perdre plus de temps qu'autre chose. Enfin, il faut voir, ceux-là, ils sont rentrés. Maintenant, on va voir. Si j'arrive à tenir, je vais continuer. Oh, j'ai 30 secondes. Bah, on passe alors. Oui, je risque de vite dévier. Allez. Pou, je suis sorti de piste. Faut que je fasse gaffe. Ce sera des intermédiaires. J'ai déjà envoyé la consigne à Jeff. Ouais, j'ai largement là le temps. Ouais, tes intermédiaires. Allez, hop. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vite sortir devant eux, ça serait bien. Donc il faut qu'ils se dépêchent. Alors je vérifie. Intermédiaire, ok. Ça va. Allez, dépêchez-vous. J'ai 32 secondes, normalement, je dois sortir devant eux. Allez, 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 plus vite. Allez, plus vite, s'il vous plaît. Allez, bougez votre cul. Fonce, fonce. Allez, faut que je reste devant. Faut que je sorte devant eux. Allez. Allez, vite, 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 vite. Allez, plus vite. Oh là 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 là, ça va être chaud. Ou ça va être tendu, ils sont juste là. Ils sont sur la même ligne que moi, ils vont me voir. Allez, 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 allez. C'est bon, on est sorti devant eux. Ma voiture, je sais pas, mais elle commence à partir en C7. J'ai un gros problème là, par contre. Ouh, c'est le turbocompresseur qui fait ça. Oh là là, ça va être une course contre la montre là. Il va falloir que je tienne. C'est contre la voiture là. La voiture est en train de me lâcher en fait. Ah ouais, il y a tout qui est en catastrophe. Oh là là là. Ah ouais, je perds de la puissance. Il va falloir que je tienne le coup. Oh, ça va être dur. Allez. Faut tenir le coup jusqu'au bout. On peut le faire. Ça va être tellement tendu. Ah ouais, ma voiture, elle perd de la puissance. Elle perd de la puissance, ça se voit, ma voiture, elle perd de la puissance. Ils sont restés en pneus durs et médium par contre eux. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Mais bon, normalement en temps de pluie, il faut mettre soit des intermédiaires pluie, ou alors faut mettre des pneus pluie W quoi, donc des bleus. Donc je pense ne pas avoir fait d'erreur. Maintenant, bon, si je l'ai faite, bah tant pis. Allez, faut tenir. Mais clairement là, j'ai un gros souci. Je crois que c'est le turbocompresseur qui fait ça. Oh là là, ils reviennent vraiment à vive allure sur moi. Hein. Ils reviennent. Ouais, et il faut que je tienne. Allez, je le veux ce Grand Prix de Silverstone. Va falloir que je donne des grands coups de frein dans les virages, à mon avis. Ouais, ma voiture est en train de péter un câble. Ouais, elle pète un câble. Il va falloir que je me bouge le cul. Ah ouais, tout est à genoux. Allez, faut que je sprinte. C'est un sprint contre tous. Allez, fond. Lâche pas Clément, allez, tu peux gagner pour la première fois Silverstone, ne lâche pas. Lâche pas petit. Tu peux le faire, allez, va au bout. Oh, ça dure. Oh, ça se jouait jusqu'au bout. Ils peuvent revenir. Hein. Ma voiture est en train de me lâcher. Oh purée. Allez, lance. Lâche pas. J'ai mené de bout en bout, il est hors de question que je lâche le Grand Prix maintenant.
allez, tiens jusqu'au bout. Allez, 5 secondes, ils sont à 5 secondes derrière moi, ils sont en train de revenir. Tantôt ils étaient à 7, là ils reviennent. Ah, là je leur mets un petit peu de temps. Allez. L'écart avec la voiture derrière nous est de 5,8 secondes. Ouais, et je crois que ça va le faire quand même. Pfff. En tout cas, ça aurait été une grosse course. Oui, c'est bon, ça va le faire, les amis. C'est bon, on va gagner. Ouf. Eh ben, ce qui est sûr, c'est que avance pas, il va falloir changer des choses au niveau de notre moteur. Mais en attendant, victoire du coup, et c'est la première, sur Silverstone pour Clément D'Artagnan. Merci, j'arrive pas à y croire. L'écurie a réalisé une prestation exemplaire sous la pression. C'est une victoire bien méritée ici au Grand Prix de Grande-Bretagne. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Les trois pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui dans ce qui restera un Grand Prix inoubliable. Bon, et ben nous voilà au Grand Prix de Spa-Francorchamps, deuxième Grand Prix de cette vidéo. Par contre les amis, bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, sachez que la bonne, c'est que j'ai eu plein de points de compétence suite à une bonne performance. Et qu'en plus maintenant, on est la deuxième meilleure écurie, donc pour moi au championnat des écuries, championnat des constructeurs. Mais par contre la mauvaise nouvelle, c'est au niveau de notre moteur, parce que regardez, on a une grosse catastrophe. Donc ici, je sais pas comment est-ce qu'on va faire. Clairement, là, il y a un gros problème. Le moteur à combustion interne, j'avais lancé le travail en cours, mais regardez, c'est toujours pas fait. Pourtant, on a eu la pause saisonnière, donc je sais pas pourquoi, mais ça sent pas bon. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais je sais pas. Je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose sur Spa-Francorchamps. On va voir. Allez. Bon, de toute façon, bon. Si j'avais su, je l'aurais changé avant, mais bon, là c'est un peu trop tard de toute façon, et en plus on le sent, hein, au niveau de la voiture, c'est catastrophe. Hein. Juste si elle va pas exploser. Ah, quoique. Ah non, ça a l'air d'aller. Donc à voir, peut-être que l'affichage a bugué, qu'il y a eu quand même l'amélioration, je sais pas. J'espère en tout cas, parce que sinon, si notre voiture explose, ça serait embêtant quoi. Par contre, là on est troisième où je rêve. Bottas est devant. Ah bah ouais, il serait devant nous. Et donc, pour la pause saisonnière, on a travaillé, on dirait, hein, Bottas, dis donc. Il est passé devant moi, j'avais même pas vu. Et il y avait Lewis Hamilton, je suppose. Allez, on lâche pas. Parce que Spa-Francorchamps, d'habitude, je suis invincible sur ce circuit. Personne ne peut rivaliser avec moi, donc ici clairement je vais garder mon statut de meilleur pilote sur Spa-Francorchamps, en plus c'est chez moi, donc je vais tout faire pour gagner. Allez, on lâche pas. Pour le moment on n'est pas si mal que ça. Allez, on lâche pas. On peut faire quelque chose de pas mal. On y croit. Bon, je crois que ça va être good. Hein. Ok, là, il faut décélérer. Ça, je me souviens. Il y a un petit S, là. Voilà. Et c'est la pole position. Let's go! Ah, c'est bon, ça. Viennent de se terminer, revoyons qui sont les trois premiers. D'Artagnan, Bottas et Lewis Hamilton.
et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Bon, et ben voilà, pole position, parfait, on continue sur notre bonne lancée, et par contre, je vois une légère amélioration, c'est que Fernando Alonso est 14e. Donc j'espère pour lui qu'aujourd'hui il va être dans les points, j'espère bien. Parce que attendez, je vais regarder, classement, est-ce qu'on peut le voir? Oui, donc pour le moment, comme vous le voyez, je suis en tête du championnat des pilotes. Et si on regarde à côté classement et constructeur, on est 2e. Et on pourrait même être 1er. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que Fernando Alonso marque aussi des points, parce que Mercedes va en marquer. On a 41 points, donc ça peut être jouable. Mais il faut qu'il en marque, donc je croise les doigts pour que ce soit le cas. Bon, bah du coup les amis, c'est parti pour la course, hein. Let's go. Soyez les bienvenus au Grand Prix de Belgique. C'est ici que nous avons assisté à la première victoire de l'écurie Jordan en 1998, au sein de laquelle un jeune pilote prometteur nommé Michael Schumacher avait effectué ses débuts 7 ans plus tôt. L'action est toujours incroyable sur ce circuit adulé par les fans. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne au tour pouvant atteindre plus de 230 km/h. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. D'Artagnan part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Sainz, Charles Leclerc et Ricciardo, Norris, Verstappen, Perez et Pierre Gasly, Tsunoda, Russell, Esteban Ocon et Fernando Alonso, Giovinazzi, Stroll, Mick Schumacher et Guan Yu Zhou, Latifi, Mazepin, Schwartzmann et Jehan Daruvala. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Je sais qu'on court dans ton pays aujourd'hui, mais considère ce Grand Prix comme n'importe quel autre. Ne prends pas de risques inutiles. Ok, très bien. Alors les amis, par contre, j'ai une bonne nouvelle, comme quoi tout est bien qui finit bien. Alors sachez que notre voiture, enfin je ne saurais pas le montrer ici, mais ça s'est joué tout juste. En gros, notre moteur au moment des essais libres, donc le turbocompresseur, était HS. Mais tout juste pour les qualifications, en fait, l'installation s'est faite. Donc finalement, eh ben, on est au top. Donc tout est en vert, tout est parfait. Donc il n'y aura pas de souci. Bon, du coup, tout va bien. Donc maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est regarder au niveau de la stratégie. Bon, on voit qu'il va faire un peu couvert, mais il va faire ensoleillé aussi. Donc, l'arrêt au stand ici, il me propose au 5e tour. Moi, je trouve que c'est très bien. Je vais regarder par contre, s'il me propose comme pneu. Soft, tendre, ok, tour d'arrêt. Ok, bon, c'est bien. Ouais, 5e tour, ça me semble bien, il y a 11 tours à boucler. Donc, ça devrait le faire. Bon, allons-y, on prend la piste. C'est une bonne stratégie, Jeff. Je suis pour. Allez! En plus, si on gagne ici, je pense qu'on peut prendre clairement une grosse option sur le titre de champion du monde. Hein. Et ça pourrait être mon 12e. Enfin, mon 2e, pardon. 12e, n'importe quoi. Ça pourrait être un doublé. Mais bon, faut se concentrer. Ça pourrait être mon 2e et pas mon 12e. Parce que j'ai ma langue qui a fourché. Mais faut dire, il m'a fait peur, Hamilton. J'ai cru qu'il allait me rentrer dedans. Allez, c'est parti! D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, regardez. Vous voyez, tout va bien. Tout est en vert. Donc, c'est parfait. Allez. On veut gagner chez nous. Je suis l'intouchable de Spa. C'est le nouveau surnom de notre ami Clément D'Artagnan, notre héros. L'intouchable de Spa. Jamais perdu à Spa. Donc, je ne vais jamais perdre ici. Allez, let's go. On lâche pas. Allez, let's go, on lâche pas. On est au top du top. On pourrait prendre une grosse option sur le titre de champion du monde, là, aujourd'hui. Bon, là, on est vraiment bien sorti comme il faut, mais bon, ça va. On a gardé notre vitesse, donc finalement, on n'a pas non plus perdu tant que ça. Allez.
Alors on vérifie vite fait, ouais ça, tout va bien alors. C'est good. Et on est pas mal en ligne droite, hein, puisqu'on a la chaîne motrice maintenant, là, on a moins peur de se faire rattraper. Ok, là on décélère déjà un petit peu. Petit coup de frein, voilà, on prend les bons bords et on relance. Pour le moment on est au top. J'espère juste que Fernando Alonso va nous faire quand même des points, ça serait pas mal, on est deuxième, on n'a jamais été aussi haut, on a 41 points de retard, donc il faudrait clairement que Fernando rentre dans les points aujourd'hui. Aïe, et on lance. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué en début d'épisode, si jamais je vois qu'à un moment donné ça ne va pas, bah, je vais investir dans Hamilton, hein, Hamilton ou Bottas, hein. Mais un des deux, ça c'est sûr. Ou alors, si je sais vraiment pas les avoir, bah, à ce moment-là, j'irai vers Lando Norris ou Verstappen. Ça, je verrai bien. Je verrai bien ce que je ferai. Pour le moment, on n'est pas encore là, on n'est pas encore à saison 3, mais on y pense déjà, mine de rien, parce qu'on est déjà aux deux tiers quand même de la saison. Hein, parce que dans deux épisodes, c'est déjà la fin de la saison 2. Comme quoi, ça passe très très vite, les amis. Puis bon, quand on s'amuse en même temps, c'est normal, j'aimerais dire. Il faut dire que ce jeu, je prends énormément de plaisir à jouer dessus. Et pourtant, c'était mon tout premier jeu F1. J'avais peur que ça ne fonctionne pas. Et puis finalement, bah, je vois que vous aussi, vous mettez plein de retours positifs. Il y en a qui me donnent des conseils sur des forums quand je partage mes vidéos, et ça fait vachement plaisir. Donc c'est que du kiff. D'ailleurs, merci les amis. Bon, allez, on regarde un petit peu la course. Bon, on a 8-9 secondes, donc ça, pour le moment, no problemo, on gère à l'aise. Ok, là on décélère. Voilà, et on relance. Très bien. Parfait. Pour un moment, bon, il n'y a pas de souci. Hein. Clairement, là, no problemo. On gère bien. Oh, qu'est-ce qu'on est intraitable sur ce circuit, c'est incroyable. Faut dire que, bon, je le connais par cœur, parce que je le regarde déjà à la télé, donc clairement... Quand voulez-vous que ça soit autrement aussi? Je le connais par cœur. Je pourrais presque conduire les yeux fermés. Non, quand même pas. On va pas essayer. On va pas essayer de faire ça. Sinon, je pense que ça serait bizarre. Je sais pas ce que ça donnerait en vidéo. Et en plus, je crois que je me planterais partout. Déjà qu'on a vu au Bahreïn ce qui s'est passé. Pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Donc on va éviter. Allez, hop. Et on met déjà une belle distance, mine de rien. Et vitesse de pointe, on l'a explosé. Hein. Elle pouvait attendre 200... 30, non ! On réfléchit à une stratégie. Aïe, aïe, aïe. Continuer à suivre le plan initial. Je dois me concentrer. Bien sûr. Ah bah ouais, je dois rentrer au stand du coup. Oh, flûte. Oh là là, quel manque de concentration. Oh là 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 là, quelle catastrophe, s'il vous plaît, mais non. Quelle cata. Ah là, je vais redémarrer dans le fond. Oh là là, il faut que je me reconcentre, les amis. Voilà, qui fait le malin tombe dans le ravin. Aïe 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 aïe. Bon, au moins, j'ai déjà les médiums, donc je vais pouvoir tenir tout le long, mais. Oh là 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 là. Pas maintenant, quoi. Vas-y, mets les gaz. Ouais, bon, bah, je suis 15ème. Enfin, je vais passer dernier. Enfin, je vais passer dernier. Ah non, même pas 15ème. Non, ça va. Bon, on va falloir tout remonter maintenant. Oh là 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 là, quel manque de concentration. Oh là là, quel cata.
Ah, et je vois Fernando Alonso est 13ème pour le moment. Est-ce qu'il pourrait marquer des points? Moi, je pense que oui. Oh là là, quelle catastrophe. Quelle mauvaise gestion. Oh là là, j'ai perdu le contrôle, c'est un truc de fou. Ça m'apprendra. Comme quoi, il faut pas non plus se voir trop beau. Pas trop beau trop vite. Par contre, il va falloir que tu me laisses passer. Hein. Parce que, toi, Aston Martin, j'aimerais bien passer si tu veux bien. Et je vais le passer, ça c'est sûr. En tout cas, on a failli finir hors course quand même, mine de rien. C'était chaud, hein. On a failli passer du rêve au cauchemar. Wow! Sauvage! Collision avec Stroll, mais ouais, mais bon. Il veut pas me laisser passer, il voit que je suis plus puissant que lui. Sauvage! J'ai failli retourner au stand, hein. Un truc de fou. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui soit sont freinés, soit ils rentrent au stand. Bon, allez, Lens, tu me laisses passer devant si tu veux bien, merci. T'arrêtes de faire genre, hein. Voilà, merci, hop. Et continue, il persiste, hein. Tu me laisses passer, merci. Hop, au revoir. Mais il est fou, lui. Stop. Couché. Couché, Lance Stroll, couché. Tu me laisses tranquille. Toi, tu joues pas le titre champion du monde des pilotes. Rien du tout, donc poète poète, hein. Ah bah, voilà mon coéquipier Fernando Alonso. Bon, coéquipier, je compte sur toi, tu marques des points, mais... Faudra falloir que tu me laisses passer de toute façon à un moment donné, hein, tu sais bien. Bon allez Fernando, tu me laisses passer. Allez Fernando, laisse-moi passer, s'il te plaît, merci. Commence pas non plus. Voilà, merci. Dante savait que c'était moi. Bon, on est 13ème. Il y a encore du chemin à parcourir, mais bon, au moins on est sûr de devoir plus passer au stand normalement. Bon, bah, le changement aurait été opéré plutôt prévu, ça c'est sûr. Allez. Esteban Ocon et Russell devant nous. Et deux Alpines. Alors, on va essayer de la voir, Ocon. Maintenant, on tente la dive. Ah, Russell! Qui vire comme un gros cochon. Et voilà, ma voiture part en sucette, voilà. Merci, Russell. Merci. Wow, tu te calmes. Ocon, couché. Oh, ma voiture, elle part dans tous les sens. Ouais, tour 7, j'ai pas le choix, il faut que je rentre, hein. Y a rien à faire. Pas le choix, hein. Fernando, on est dans la même équipe, calme-toi. Je vais me rentrer au ce tour. Hein. Bon, tant pis, Fernando passe. Oh, merci Russell, hein, merci beaucoup. Hein. Oh là là. Ah, Russell, il m'a complètement tout déglingué. Franchement. Regardez-moi ça, il m'a tout déglingué. Bon, par contre, nouveau soft, ok. Ouais, c'est mieux de me mettre du soft, hein. Si je veux rattraper tout le monde. Et je vois qu'il rentre au stand. Oh là 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 là, quelle course.
Franchement, Russell nous a fait un coup dégueulasse, hein. Franchement, regardez, je sors de la piste, hein, j'arrête pas de dévier. Ah, ça fait mal. Mais non, Fernando, non! Pourquoi t'es dans les stands? C'est... Oh, Fernando, non! Oh, non, hein, Fernando! C'est moi qui rentre à ce tour. Mais qu'est-ce que tu me fous? Sérieusement, Fernando, sérieusement. Tu savais pas rentrer plus tôt ou plus tard? Je sais pas. Non, oh là là, Fernando! Oh, quel gâchis! Oh, c'est sûr que je vais être dernier là, ça continue. Oh mais non, mais Fernando. Tu reprends la piste dès la sortie des stands. C'est bon, vas-y. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Oh, Fernando, sérieusement. On peut pas rentrer plus tôt? Bon, maintenant, faut que j'essaie de les rattraper. Hein. Oh, misère. Oh là, il va falloir que je fasse une remontada. Oh là là, tout est fait de course. Quel bazar. Bon, Dao, voilà, j'essaie d'aller chercher. Voilà. Hop, ça fait un en moins. Mazepin, ça va être facile aussi. Beau travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. Et il va bloquer, hein. Gardez-moi ça. Dégage. Tu joues pas le titre, toi. Qu'est-ce que tu me fous? Dégage. Sauvage. T'es comme Russell, toi. Oh là, maintenant il va falloir que je les rattrape. Hein. Ils sont loin, ils sont tellement loin. Oh, ils rentrent au stand. Oh, il faut que j'aille vite. Faut que j'ai un pilotage impeccable et faut que je remonte. Hein. Et ce qui est là, c'est que comme j'ai des softs, je vais aller plus vite. Et eux, par contre, ils vont perdre de la vitesse par rapport à moi. Ouais. Faut aller vite. Bon, Guangzhou. Ah, tu joues pas le titre non plus, on est d'accord. Donc toi, tu vas me laisser passer aussi. Et Charles Leclerc encore hors course. Ah, décidément. Ça ne va pas chez Ferrari. Attention, attention. J'ai failli rentrer dedans tellement il freine comme un cochon. Et on passe où? 16ème. Oh, il va falloir faire une remontada de folie, hein. Ils sont loin, hein, les autres. Cette fois-ci, c'est moi qui ne suis pas dans les points. Hein. Quelques infos au sujet de Giovinazzi. Leur monoplace a des soucis. Ils vont tourner au ralenti. Ah, ça c'est intéressant à savoir. Enfin, il est derrière nous, mais bon. On est tard que jamais. Oh là là, il va falloir que je revienne vraiment comme un boulet de canon, hein, sur tout le monde. Maintenant, bon, je suis capable de revenir. J'ai la meilleure chaîne motrice de tout le plateau. Donc, je peux faire quelque chose de fou. Bon, Schumacher et Latifi. Enfin, Schumacher et Latifi. J'espère qu'ils vont me laisser passer. Alors, on va pas tenter là. Maintenant, pas maintenant. 3 tours pour les rattraper. Oh, ça va commencer à venir chaud. Schumacher, ça passe. J'essaie de passer la Tiffy. Ça va pas être évident. Là. Je vais essayer de la revoir, mais ça va être chaud. Là, ici, je vais la rattraper au niveau de la ligne droite dans les stands. Là, je vais la voir. Ralenti, ralenti, pas tout de suite. Voilà, il faut être vite patient. Et maintenant on lance. Allez. La distance qui nous sépare de notre coéquipier est de 9,3 secondes. Bon, Latifi, c'est fait. Allez. 14. On peut encore revenir, hein. Il y a de la marche. Ça va être tendu, mais on peut le faire. On a des softs, alors que tout le monde a des médiums, donc ça peut le faire. Je veux rester la cible. Ouais, nos pneus, tout va bien. Tour compresseur, good. Ok. On peut revenir, on peut le faire. Allez.
Allez, on y croit les amis, jusqu'au bout. D'abord, c'est Lance Stroll et puis Fernando Alonso. Allez, on lâche pas. Lance Stroll qui est là. Bon, cette fois, j'espère qu'il va pas freiner comme un cochon. Voilà, il freine encore comme un cochon, hein, comme on aime. Je le sentais. Ça a été chaud, mais on l'a passé. Bon, allez, 13e. Dans Salonzo, Esteban Ocon. Oh, encore Ocon, misère. Alors, l'aileron, ça va? Il a rien? Non, il n'a rien. Parfait. Nous avons près de 4 tours de carburant. Non, Lance Stroll. Tu m'as doublé, bah, je te redouble. Non. Et t'as cru quoi, toi? Tête. Bon, à quoi faire un dos, il va falloir que tu me laisses passer. Hein. Voilà, merci. Allez, Esteban Ocon qui est là. Cette fois, c'est vrai qu'il va pas me faire de coupe de saligo. Et en plus, il y a encore Russell. Mais décidément, ces deux-là sont toujours présents. Hein. Oh, je les aurais pas, je pense que je ne gagnerai pas ici. Parce que regardez-moi ça, comment il s'y conduit. Oh là là. Oh mais les chiottes, Ocon. Allez, pousse-toi. Tu vois, je suis plus rapide que toi. Oh, pas possible. C'est parfait ça. Allez hop. Ça c'était du grand art. Allez, on est 11e. Et Russell est devant. Allez. Ça va être très très dur à aller chercher, voire impossible, mais on peut encore y croire. Ouais, dernier tour. Merci de le dire, je viens de le dire. Là je viens de sortir, si tu m'avais concentré Jeff. Allez, faut se relancer, c'est pas fini. On gagnera pas, je pense pas, mais voilà. Vu les circonstances, on peut pas non plus se plaindre, mais j'aimerais bien être dans les points. Donc là, j'aimerais bien remonter tout le peloton qui est au moins devant moi. Ah non, faut que Russell me laisse passer. Bon, allez, Russell. Il va encore me le faire le coup, hein. Il va encore freiner comme pas possible. Allez. Voilà, merci. Hop, au revoir Russell. Dégage. 10e. Gasly devant. Yuki Tsunoda, les deux Alpha Tauri. Ouais, donc à mon avis, là c'est une victoire de Lewis Hamilton, à mon avis, ici. Bon, bah on gagnera pas. Au moins, on n'a pas non plus à rougir, vu les circonstances. On a quand même surmonté un petit peu. Dive bon venu futur, 9e. Et bah, on va faire 9e.
Beaucoup ont douté de ses capacités, mais il s'en est superbement tiré sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il remporte aujourd'hui cette victoire avec classe. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien. Bon les amis, on se retrouve dans les menus. Alors comme vous pouvez le voir, le prochain Grand Prix, déjà ce sera le Grand Prix de Zandvoort, qui rappelez-vous la saison dernière n'avait pas laissé de bons souvenirs, mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis un compétiteur et j'ai envie de remporter tous les Grands Prix, donc clairement, je vais tout faire pour l'emporter. Puis bon, je me dis que si j'ai pu enfin gagner en Autriche, je peux le faire aussi à Zandvoort. Alors aussi les amis, je vous parlais un petit peu de ce que j'ai fait sur le côté. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai 31 millions dans les caisses. J'avais beaucoup de points de compétences, donc ce que j'ai fait, enfin, compétences, des points d'XP, je les ai investis dans le R&D. Et regardez, là, maintenant, on est vraiment bien mieux placé. Dans la globalité de nos performances, on est vraiment devant quelques voitures, donc ça, c'est déjà pas mal du tout. Et alors, attendez, ce n'est pas tout, je vous montrer. Alors, je vais regarder si, admettons, je prends cette pièce-là. Déjà, quand on regarde au niveau de l'aérodynamisme, je suis devant Williams, Alfa Romeo et Haas. Donc ça, ça n'a pas changé. Par contre, c'est après que ça a bien changé que je suis plutôt content. Alors si on regarde ici, niveau département du châssis, je suis devant Alfa Romeo, Alfa Tauri, Williams et Haas. Donc là, on a un petit peu progressé. Dans la chaîne motrice, là, vous savez que je suis en tête. Mais regardez, j'ai même pris des améliorations en plus. Je suis vraiment au-dessus de tout le monde. Là, clairement... il n'y a pas meilleure chaîne motrice sur le plateau. Ensuite, pour la longévité, là par contre, il y a eu énormément de changements. Regardez ça. Je suis la deuxième voiture avec la meilleure longévité. Donc pour dire, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt content d'avoir bien investi de ce côté-là. Alors ensuite, au niveau de notre véhicule. Alors ici, j'ai mis en cours pour le MGUK parce que il est passé en jaune. Pareil pour le système de stockage d'énergie, mais sinon tout le reste, tout est vert, donc ça va être good pour le prochain Grand Prix, qui d'ailleurs, pour le prochain Grand Prix, je vais vous le montrer juste après, voilà, c'est ça, je suis au bon endroit. Donc comme vous pouvez le voir, classement des pilotes, je suis toujours premier, mais attention, je n'ai plus que 6 petits points devant Lewis Hamilton. Et comme vous pouvez le voir, les deux prochains Grands Prix pour l'épisode prochain, ce sera le Grand Prix des Pays-Bas et le Grand Prix d'Italie, donc le Grand Prix de Zandvoort et celui de Monza. Et puis après, on terminera la saison 2 avec Japon-Brésil. Donc autant dire qu'on se rapproche doucement de la fin déjà de cette deuxième saison. Et on peut dire que ici, à part au Bahreïn que j'ai fait une grosse bêtise, j'ai toujours été dans les points. Donc maintenant, il faut que j'essaie de garder l'allure et surtout que j'arrive à garder, on va dire, la route, quoi. Alors au classement des écuries, meilleur constructeur. Alors là, nous sommes deuxième, par contre, à égalité avec McLaren, donc il va falloir faire encore très attention. Mais Mercedes est encore parti pour être meilleur constructeur. Donc clairement là, ça n'ajoute pas grand chose. Mais quand on regarde, c'est moi qui ai encore ramené tous les points. Donc clairement, je suis en train de me poser la question si je ne vais pas clairement aller chercher un Lewis Hamilton ou un Valtteri Bottas. Donc clairement, je pense que je vais partir sur un des deux. Et en plus, avec l'argent que j'ai maintenant, clairement, je peux faire des choses plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais mettre surveiller. Je vais mettre Valtteri Bottas, ça c'est 1. Et en 2, je vais mettre surveiller Lewis Hamilton. Voilà, ça me semble pas mal. Ces deux-là, je vais les surveiller et je sais que je vais en piquer un quelque part. En tout cas, je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis, si je n'arrive pas à me décider, à ce moment-là, je vous ferai un petit vote sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, ils sont en description, n'hésitez pas à aller voir. Je mets plein de liens, plein de votes, pour que vous puissiez aussi décider de toutes nos aventures, quel que soit le type de contenu. Bref, les amis, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que, tout simplement, cet épisode vous a plu. Malheureusement, l'invincible de Spa n'est plus, puisque nous avons terminé 9e. Mais bon... vu tout ce qui s'est passé, on s'en sort quand même pas si mal que ça. J'ai fait une grosse bourde et ça c'est ma faute au tout début.
Mais après, le reste, bah, ça, c'est des événements qui peuvent arriver n'importe quand. Donc là, malheureusement, je n'en peux rien. Si c'est arrivé, c'est comme ça. Dans tous les cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, de balancer un maximum de pouces bleus, de vous abonner si vous êtes nouveau, que ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, bah, comme ça, vous me soutenez dans la passion. C'est toujours motivant. Et puis n'hésitez pas non plus accessoirement à partager autour de vous pour faire connaître la chaîne beaucoup plus facilement. Enfin bref, vous connaissez les bases, je vous fais confiance. Et si vous faites tout ça, un énorme merci. Et sur ce, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, en ce qui concerne F1 21, on se retrouve la semaine prochaine pour les Grands Prix des Pays-Bas et d'Italie avec Zandvoort et Monza. Allez, ciao ciao, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Oh yeah. Fearless. I'm